bête, Loulou le Pou et Mireille l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Belle la coccinelle, la mauvaise joueuse. Belle la coccinelle était si mauvaise joueuse que Mireille l'abeille la laissait gagner pour qu'elle ne soit pas trop malheureuse. 1, 2, 3, soleil, t'as bougé, ça compte pas, j'ai glissé. 1, 2, 3, soleil. Cette fois t'as perdu. C'est pas moi, c'est le vent. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, allez, dépêche-toi de gagner, il faut que je prépare à manger. Bravo! Belle éducation! Encourage-la à tricher pendant que tu y es. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une enfant? Justement, Belle doit savoir que dans la vie, on ne triche pas. Bon! Eh bien, puisque tu sais mieux que tout le monde, t'as qu'à t'en occuper toi-même au lieu de faire des discours. Pour former le caractère de Belle, Benjamin avait décidé de ne pas la laisser gagner aussi facilement. Je vais cacher ce champignon quelque part et tu devras le retrouver. Surtout ne regarde pas. Saperlipopette, mais tu triches! Avec moi, ça ne prend pas, je te préviens. Pour t'apprendre à être honnête, à toi de jouer maintenant. C'est froid. Tiens, ça se réchauffe. Ouh là 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 là, ça devient bouillant. Ah, dommage, tu refroidis. Oh, alors là, c'est carrément glacial. Comment ça, glacial? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était bouillant ici. Réfléchis un peu. Mouais. Alors, tu donnes ta langue au cancre là? Non. Bon, et ben montre-la ta cachette si t'es si malin. Abracadabra. C'est facile avec un bonnet. Belle voulut prendre sa revanche sur Benjamin. Prêt? Attention. 1, 2, 3, prêt. Ciseaux. Les ciseaux coupent la feuille. 4 à 0 pour moi. C'est pas la peine de répéter les points à tout bout de champ. Comme je choisis la feuille au dernier coup. Ah oui, 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 oui. Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Les ciseaux, mais... Ça y est. 1, 2, 3, caillou. Feuille. La feuille enveloppe le caillou. 5-0, t'as perdu. J'étais pas prête. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. T'as perdu. Abracadabra, tes pleurs, tu arrêteras. On entend pleurer cette pauvre petite jusqu'à l'autre bout du jardin. Tu vois où ça mène, tes grandes idées? Tu sais quoi, Belle? Je vais organiser pour demain un concours de croquets. Qu'est-ce que tu en dis? Vrai? Oui, mais à condition que tu promettes de ne pas bouder et de ne pas chercher d'excuses. Foi de Belle, parole de coccinelle, si je manque, on me jette à la poubelle. Le tirage au sort avait désigné les équipes. Benjamin jouait avec la petite coccinelle contre Mireille et Léon le Bourdon. Et voilà le travail. Il a éjecté ma boule, j'en ai assez. Belle, ne commence pas. Regarde plutôt comment il faut jouer et prends-en de la graine. Merci Benjamin. Oh oui, ça va Léon, hein? J'ai buté sur une motte de terre. À toi de jouer Mireille. Zon zon. Oh! Hé! Hey! Non mais tu peux pas faire un peu attention? Oh désolé, je comprends pas ce qui s'est passé. Vas-y Belle, montre-nous ce que tu sais faire. Oui! Bravo! Tu vois quand tu veux. Bon alors, on discute là où on joue.
attention, c'est un moment très important. Ça t'apprendra à te moquer. Ni. Regarde, Belle, la victoire est à nous. Raté. Voilà ce que c'est d'être trop sûr de soi. Qu'est-ce que tu crois? Je l'ai fait exprès. Pour laisser à notre jeune débutante le privilège de faire gagner notre équipe au prochain coup. Et moi alors? On m'oublie, hein? On a gagné. Dans mes bras. Qu'est-ce que tu dis de ça, rigolo? Ça te coupe le sifflet, hein? On a juste eu de la chance, c'est tout. On a juste eu un peu de chance. Avec une chance pareille, on devrait pas avoir le droit de jouer. Mais qu'est-ce qui te prend? Laisse tomber, Mireille. Tu vois bien qu'il est mauvais joueur. Répète un peu pour voir, gros plein de miel. Bravo. Vous avez été les plus forts, félicitations. Faut accepter de perdre avec le sourire, Benjamin. On fera mieux la prochaine fois. Quelle dignité! C'est incroyable! Elle est transformée! Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais y faire avec les jeunes. Que l'on soit petit ou grand, il n'est pas toujours facile d'être bon perdant. Car si l'important, c'est de participer, c'est quand même bien plus agréable de gagner. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes, Loulou le Pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon.